Cette image représente un faisceau d'électrons en mouvement entre les bobines de Helmholtz. On voit sur l'image une trajectoire circulaire. Comment expliquer la trajectoire circulaire décrite par les électrons? L'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme permettra de répondre à cette question. La particule chargée peut être un électron, un proton, un ion. L'étude permettra aussi de comprendre quelques applications importantes de l'action d'un champ magnétique uniforme sur la particule chargée en mouvement. Par exemple, le fonctionnement de nos téléviseurs, du cyclotron pour accélérer des particules chargées et du spectrographe de masse pour séparer des ions isotopes ou pour mesurer des charges massiques.